Alors, je suis très 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 contente de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que je suis avec Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo, non en fait c'en est deux carrément, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de vous préparer pour le sport avec Léa et puis de vous sauver après le sport avec moi, c'est-à-dire comment est-ce que je redeviens présentable une fois que j'ai fini mon cours de sport ou que j'ai fini d'être à la salle de sport, etc. etc. Vous pouvez retrouver ma vidéo avec la première partie en barre d'infos ou alors sur ma chaîne Je ne suis pas jolie. Pour toutes celles qui sortent de leur cours de PS et qui n'ont pas la possibilité de se doucher, je vais vous montrer en deux temps trois mouvements comment vous refaire une beauté et être tout à fait présentable pour repartir pour votre journée. On commence par se changer, donc on met ses habits propres, ses habits de je vais en cours, je continue, ma journée n'est pas finie. Et puis on va s'occuper de ses cheveux, c'est quand même la base de la féminité. Les cheveux qu'on n'a pas la possibilité de laver mais qu'on va pouvoir quand même revigorer avec Baptiste, le shampoing sec préféré de tous les temps. On n'a pas la possibilité de se doucher, mais c'est très important quand même d'être propre. Donc dans le cas où on peut même pas se laver les mains, il existe du gel sans eau. Et puis ensuite, on va pouvoir se démaquiller. Je pense que c'est bien de repartir sur une base neutre. Donc j'enlève tout ce que je peux avec les lingettes démaquillantes, hyper pratique. Une fois que je suis démaquillée, je vais pouvoir un petit peu me désodoriser. Donc ça fait office de douche en quelque sorte, grâce à des lingettes déodorantes qui existent, qu'on peut trouver en pharmacie et parapharmacie. On fait attention à bien s'hydrater les lèvres et le visage. C'est très très important pour réveiller la peau et qu'il n'y ait pas de sensation de tiraillement, etc. De toute façon, ça, c'est la base, vous le savez bien. On vient se faire le teint, donc désolée, là c'est vraiment très très flou, je suis navrée. Donc on cache les cernes, on cache, moi j'ai toujours le nez rouge, donc je mets aussi de l'anti-cerne sur mon nez. Et on vient appliquer son fond de teint, vous savez, des crèmes, sa crème teintée préférée, celle qui ne nous joue jamais de mauvais tours, celle en qui on a confiance. Pour le maquillage, on n'a pas forcément le temps de faire quelque chose de très élaboré, ni la place dans son sac. Donc on prend juste un crayon Kohl et on va pouvoir tracer un trait juste sur le ras de cils supérieur afin de créer un effet de smokey eyes en l'estompant au doigt. C'est hyper facile, hyper modulable, hyper rapide, hyper, hyper pratique quoi. Mon mascara préféré de tous les temps, c'est le Rocket Volume de chez Maybelline. Il est absolument extraordinaire, je l'adore et il coûte moins de 10€. Ensuite, on vient mettre quand même une petite touche de lumière sous l'arcade sourcilière et puis aussi au niveau des pommettes. Et puis si on n'a pas pu prendre son blush ou si on n'en a pas ou quoi que ce soit, on pince juste ses joues pour un effet bonne mine. Pour les lèvres, j'utilise un crayon et un gloss pour un effet longue tenue. Vous savez que le crayon tient beaucoup plus longtemps que le rouge à lèvres en règle générale. Donc si votre gloss s'en va, bim, et bien vous aurez toujours le crayon qui sera là pour dire « mes lèvres sont maquillées ». On passe ensuite à la coiffure, c'est vraiment très rapide, on fait une tresse toute fine sur le côté qu'on va ensuite enrouler autour d'un chignon haut. C'est juste pour dire oui je me suis coiffée mais j'ai quand même pas pris 20 ans, moi je suis une fille efficace. Pour la tenue, j'ai choisi quelque chose d'hyper confortable parce qu'après le sport, j'ai envie d'être confort. Donc je mets une robe très épaisse, un gilet très épais aussi et je décore le tout un petit peu avec ma montre que j'adore de chez Sismic. Mon gilet vient de chez Sheinside et ma robe de chez Tati, ça fait très 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 longtemps que je l'ai.
Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis pour se préparer avec Léa, vous n'avez plus qu'à cliquer sur sa tête. Je vous mets un lien directement. Allez voir sa chaîne, allez vous abonner et dites-nous ce que vous en pensez. Plein de bisous, ciao.